Bonjour et bienvenue à toi dans cette méditation. Je suis ravie de te proposer ce moment de détente, d'introspection, tout simplement un temps pour toi pour venir te déposer, regarder ce qui est là par rapport à tous les questionnements de la semaine. Je vais déjà t'inviter à fermer les yeux, à prendre une position assise confortable, à te déposer sur ton support et à venir observer ta respiration. On va prendre ensemble trois grandes inspirations et trois grandes expires par la bouche. On relâche tout ce qu'on ne veut plus garder. On le remet à la terre. Inspire. Expire, relâche. Et une dernière fois, inspire. Expire. Relâche. Tu vas venir placer ton attention à la base de ta colonne vertébrale, au niveau de ton sacrum. Et tu vas, à partir de cette base, ériger ta colonne vers le ciel. Tu te tiens droite. Le menton est parallèle au sol. La nuque est le plus étendue possible. Les épaules sont relâchées. Et tu ressens cet alignement vertical qui te relie entre terre et ciel. Et à la base de ta colonne vertébrale, visualise des racines qui partent de ton bassin et qui vont s'enfoncer progressivement vers le centre de la terre. Tu peux visualiser leur texture, leur couleur, et tu sens que petit à petit, elles s'enfoncent, elles traversent déjà le sol de ta maison, de ton appartement, et elles s'enfoncent, et elles s'enfoncent toujours plus pour venir se brancher au centre lumineux et cristallin de la Terre. Et tes racines vont venir se recharger de cette énergie tellurique de la terre. Tu laisses cette énergie remonter le long de tes racines jusqu'au niveau de ton sacrum. Tu la laisses traverser tes pieds, tes mollets, tes cuisses, tes genoux. Puis le long de ta colonne vertébrale, jusqu'au sommet de ton crâne, au niveau de ta couronne, de ta fontanelle, cet espace qui était encore ouvert quand tu étais petite. Et ici, tu vas laisser se déployer des racines cosmiques, donc on peut plutôt appeler ça des antennes cosmiques, que tu vas laisser se déployer vers le ciel, vers l'infini. Et au-delà, tu les vois traverser notre atmosphère terrestre, puis notre système solaire, puis notre galaxie, la Voie lactée. Tu les vois croiser des corps célestes et tu les laisses se déployer. Venir se brancher à tous les astres, toutes les étoiles. Et puis tu vas petit à petit laisser redescendre cette énergie cosmique le long de tes antennes. Tu la laisses descendre progressivement jusque dans ton cœur. Et on va prendre un temps d'arrêt au niveau de cette zone du cœur. Tu vas prendre plusieurs respirations dans cette zone du cœur
et tu vas laisser les deux énergies se mélanger, l'énergie de la terre et l'énergie du ciel, tu la laisses fusionner, tu les laisses fusionner au niveau de ton cœur, au centre de ta poitrine, au niveau de ce temple, de la maison de ton âme. Et au niveau de cette maison intérieure, de ce centre, je vais t'inviter à te poser quelques questions. Est-ce que ce que je suis en train de vivre en ce moment, dans n'importe quel domaine que ce soit, est véritablement juste pour moi? Est-ce que je ressens dans tout mon corps, dans toutes mes cellules, cette justesse? Parce qu'il y a une voix au fond de toi qui sait profondément ce qui est bon et juste pour toi. Il te suffit de lui faire confiance. Il te suffit pour cela de lâcher le regard des autres, les peurs qu'ils projettent sur toi. Et tu sais, il n'y a qu'un pas entre ces peurs et entre la voix du cœur, entre l'expression de l'amour qui circule à travers toi. Dans quel domaine, en priorité, pourrais-tu faire le prochain pas? Et qu'est-ce que ça signifierait pour toi de juste être? Être toi-même. Être profondément toi-même et non ce que les autres veulent que tu sois. Est-ce que tu ressens cette paix intérieur de ton cœur, cette zone de calme, de quiétude? Où tout est tout simplement, où il n'y a rien à faire, aucun objectif à atteindre, aucune direction à trouver. Est-ce que tu ressens cette paix? Est-ce que tu peux déjà te l'accorder pour toi, pour ensuite la faire vibrer pour le monde entier? Quels sont ces espaces à l'intérieur de toi qui vibrent plutôt un confort, la distorsion, le jugement, la critique, l'autocritique? Quels sont ces espaces-là dans lesquels tu peux apporter un peu plus de paix? À quel niveau est-ce que tu peux te pardonner? Te donner ce pardon? Est-ce que tu peux aussi le donner à une personne qui peut-être t'a fait du mal? Tout simplement pour t'en libérer et pour avancer. Réfléchis à ce qui t'empêche aussi de rayonner, de briller de toute ta lumière.
Parce que dans cette voix du cœur, on est invité à être en cohérence avec notre cœur. Et à l'intérieur de ce cœur, comme à l'intérieur du centre de la Terre, il y a un magnifique cristal. Je veux que tu visualises ce cristal, ce diamant, avec toutes ses facettes. Et une fois qu'on enlève les couches et les couches et les couches superficielles, vois comme ce diamant brille et scintille de mille feux, et comme tu peux l'offrir au monde. Alors enfin et pour finir, je voudrais que tu t'autorises à rêver et que tu rêves grand. Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir de concrétiser demain? Et je t'invite à cultiver toutes ces graines à l'intérieur de toi et à les laisser fructifier pour toi, pour les autres et pour le monde. Tu mérites le meilleur. Tu es une magnifique lumière qui ne demande qu'à briller. Je t'envoie tout mon amour, toute ma confiance. Et je te dis à tout bientôt. Tu vas pouvoir revenir à toi progressivement, déjà en intensifiant davantage ta respiration. Tu vas prendre 3 grandes inspires et 3 grandes expires, comme au début de notre voyage. Tu vas pouvoir remettre un petit peu de mouvement dans ton corps. T'étirer, tu peux bâiller. Et surtout te remercier. Te remercier de t'être accordé ce moment. Te remercier pour ce chemin. Parce que l'important, ce n'est pas le but. C'est tout le chemin. Te remercier pour toutes les expériences vécues, pour toutes les épreuves qui ont fait celle que tu es aujourd'hui. Et encore une fois, je te souhaite tout le meilleur et je t'embrasse de tout mon cœur.